on the beat. Hello everybody, welcome to Petit Soir. Dans le genre, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un haul swimsuits. Swimsuit, donc mon haul maillot de bain. Je vais vous présenter, je pense, 5 ou 6 pièces de maillot de bain que j'ai. Et comme ça, vous voyez un peu quel style de maillot je mets quand je pars à la plage. Même si je ne veux pas pour nager, je ne veux pas pour bronzer, mais juste pour passer du bon temps, profiter du soleil, etc. Donc, sans plus tarder, on va commencer la vidéo. Let's go! Alors, la première pièce de maillot de bain, comme vous voyez, c'est celui avec des imprimés, on appelle ça des imprimés Yamato. J'aime beaucoup ce maillot de bain, enfin, ça fait très longtemps que je voulais en avoir un. Et vous allez être surpris du site où je l'ai acheté, c'est sur AliExpress. Et ouais les gars, mais j'avoue qu'au premier lavage, sur les côtés, sur les lacets, là, ça commençait à partir un peu. Mais on voit toujours que c'est jaune, mais je sais pas, c'était comme une couche invisible comme ça qui partait, ça fait comme si de la peau qui s'enlevait. En soit la couleur elle est toujours restée, le maillot il est toujours aussi beau. Et franchement c'est mon maillot, ça fait genre un an et demi que je l'ai. Je n'ai jamais vraiment eu l'occasion de le mettre, mais je pense que si cet été ben, je pars en vacances avec mes soeurs à la mer, ça sera sans doute un maillot que je mettrai bien. Le deuxième maillot, enfin le suivant, est le maillot orange. Comme vous voyez, c'est un maillot assez simple, ça fait même limite compétition. Là, comment on appelle ça, le bas est taille haute, le haut est, enfin je trouve que c'est un maillot vraiment simple. Vintage, non, parce que peut-être par le style un petit peu, mais pas forcément par la couleur. Je trouve pas, enfin c'est un orange fluo et du coup ben, j'aime quand même bien, mais j'avoue que c'est pas mon maillot préféré, mais j'aime beaucoup le style taille haute, etc. Je trouve que ça a changé un peu. Maillot suivant, c'est le maillot en jaune de chez... Alors j'ai juste oublié de préciser que l'orange venait de Fashion Nova, il y en a beaucoup, enfin il y en a, la majorité viennent de chez Fashion Nova. La jaune, quant à elle, ne vient pas de Fashion Nova, mais de H&M. Je l'avais aussi acheté, je pense, il y a un an, mais j'aime trop ce maillot, les gars, genre les lanières sur les côtés, les hauts divisés en lanières ici, enfin je trouve ce maillot juste trop beau. J'aime beaucoup en plus le jaune, comme ça, ça va toujours super bien sur le pot noir, sur les peaux noires, donc... J'ai jamais eu aussi l'occasion de porter ces maillots. En fait, moi, j'achète beaucoup de maillots de bain et tout. J'en ai vraiment beaucoup. Mais comme je pars pas souvent à la plage ou enfin à la mer, pas souvent à la piscine, pas du tout à la piscine même, j'ai pas souvent les occasions de me mettre. Mais je vous avoue que juste le fait de le voir sur les mannequins et tout, j'ai tout le temps des coups de cœur sur les maillots de bain. Mais je ne sais pas trop quand est-ce que j'aurai l'occasion de les porter. Et même si, même quand je pars avec mes soeurs, ben, je n'ai pas l'occasion de tous les porter. Donc il y en a beaucoup que j'achète et que je ne porte jamais. Mais bon, ça je mets vraiment mes idées, maillot de bain. Les jaunes, c'est vraiment un de mes favoris. J'aime trop ce maillot. Le suivant, c'est le rose fuchsia de chez Fashion Nova aussi. Alors ça, c'est vraiment un maillot en mode free. Vraiment, c'est vous partez à la plage, vous voulez quand vous regardez, parce que déjà, c'est un maillot à manches longues. Ici, là, c'est lacéré sur le côté. Du coup, c'est pas très top pour bronzer. Déjà, le fait que ça soit manches longues, c'est à proscrire. Et l'effet lacé devant, non plus, ça va pas, parce qu'après, vous aurez plein de marques, tu sais, de soleil en forme de lacet devant. Et en plus, enfin, il n'y a rien qui va dans ce maillot, franchement, pour si vous comptez bronzer avec, c'est mort. C'est vraiment un maillot en mode tu portes vraiment pour faire ta belle, etc. J'aime beaucoup le maillot quand même, parce que c'est très rare de voir des maillots à manches longues. Et pour des gens qui sont genre complexés par montrer, je sais pas, leur vergeture, ou qui pensent qu'ils ont des gros bras, ou qui n'ont pas envie qu'on voit leurs bras et tout, je pense que c'est un bon alternative. Et voilà. Et ensuite, comme vous avez pu le voir, au niveau de la taille, il y a un lacet qui est relié au bas. Et c'est à vous, soit vous faites un nœud par devant ou un nœud par derrière. C'est à vous de voir. Et aussi les lacets sur le devant, vous pouvez les régler en fonction de la de vos seins, en fait. Si vous voulez que ce soit beaucoup plus resserré, beaucoup plus ouvert.
Et aussi, dans ce maillot, il y a des push-up. Donc, je trouve que c'est... Enfin, push-up, non, c'est pour vraiment pour bien retenir les seins, je trouve. Et ça fait plutôt bien son travail. En plus, quand vous serrez bien sur les laissés, vraiment, vos seins, là, ils sont bien maintenus et tout. Franchement, top. Je valide grave. Le suivant, c'est un maillot une pièce en rose fuchsia. Alors, ce maillot, je l'aime beaucoup parce que je voulais depuis longtemps un maillot ou un body échancré. Tu sais, qui monte jusqu'à là, au niveau de la taille. Et celui-là, il fait très très bien le job. Et au niveau de la taille, là, ils ont mis des élastiques. Mais, guys, genre, les élastiques, ils vous servent bien et tout. Ça fait vraiment bien ressortir. Si vous avez une taille marquée, ben, l'effet encore plus marqué. Mais ce que j'aime pas trop, c'est sur les côtés là. Enfin, si vous avez des seins beaucoup plus gros que les miennes, je sais pas comment vous allez vous en sortir, parce que déjà avec le mien, je savais pas où mettre mes seins. Alors si vous avez des seins beaucoup plus gros que ça, j'ai bien peur que ils se font la malle et qu'ils partent voir à gauche et à droite. Donc parce que c'est vraiment un side boob quoi. Après sinon à part ça, moi j'aime bien en tout cas pour la taille de mes seins, parce que j'ai pas des énormes seins, ça me va bien. Mais je pense que quelqu'un qui aurait des seins beaucoup plus gros que moi, ben ça serait quand même impossible de pouvoir porter ces maillots sans tout le temps les arranger. Déjà moi j'arrange tout le temps, alors j'imagine pas une personne qui a des plus gros seins que moi. Et donc voilà, mais sinon je l'aime beaucoup la couleur aussi. Je trouve que ça va super bien en peau noire comme ça, le rose. En général, le couleur fluo, je trouve que ça va super bien en peau noire. Et je valide ce maillot. En tout cas pour moi, je le valide. Le suivant, c'est sans doute mon trikini préféré. Il est blanc sur le dos, c'est dos nu croisé comme ça. Je ne montre pas le devant parce que les derrière, parce que j'ai pas envie de montrer derrière. Et là, j'ai acheté, je le porte avec des lunettes et un chapeau que j'ai acheté. J'achète pas souvent des trucs à Primark, en tout cas pas beaucoup de vêtements, mais en termes d'accessoires, genre la tête, les boucles d'oreilles, les bagues et tout, j'aime beaucoup aller acheter chez eux parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choix. Et là j'étais partie comme ça, on se promenait avec ma petite soeur et tout, et puis je vois ce magnifique chapeau pour le soleil, je me dis il faut que j'aie, et je ne le regarde pas du tout parce que je m'imagine vraiment trop bien d'être ça pour prendre des photos Instagram, hein, assis sur la plage et tout avec un gros chapeau comme ça. Enfin, ça sera trop magnifique. Donc le chapeau, il vient de Primark, et le trikini de H&M, mais ça aussi ça fait un an je crois que je l'ai. Et tout en blanc comme ça, j'aime beaucoup, ça fait très pur avec le chapeau contrasté noir comme ça. Je trouve que c'est magnifique. Alors Mon haul maillot de bain touche à sa fin. J'espère que ça vous aura plu, hein, pour ceux qui voulaient chercher de l'inspire au terme de swing out. Ben j'espère que ben, ça vous inspire, ça vous, je sais pas, ça vous aide à choisir ou à vous positionner sur vos styles de maillot de bain. Et n'oubliez pas de me suivre sur mes réseaux sociaux qui apparaîtront soit là ou soit là. Je sais jamais où je vais l'apparaître, c'est pour ça que je ne pourrais pas dire de quel côté je vais le mettre. Et écoute, je vous aime. Bye.